Ah, c'est bon? Ok. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et là, je sèche complet. On doit se déconnecter sur TS, je sais pas. On se déconnecte, on fait quoi? Je vais couper TS. Tu m'entends? Non, bah non, il m'entend pas. Je sèche complet. J'ai fait exactement ce qu'ils disent, mais ça marche pas. Alors, je sais pas si c'est de mon côté ou si c'est du sien à lui. C'est un peu bourbier là pour le coup. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi penser là. C'est chiant parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre des moments de stream, ça. Et c'est tout le temps pareil, j'ai l'impression, tout le temps à chaque fois que je stream sur ça, il y a toujours des bugs. Je sais pas trop quoi penser là. Et puis lui, il ne m'entend pas. Alors, bah voilà. Sais pas trop quoi penser là. Ok, voilà. Ah, mince. Rue. Du coup, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. Putain, mais on doit parler, mais. Je sais pas quoi penser, je sais pas si c'est lui ou moi, je sais pas. Jack, si t'es sur le live, dis-moi parce que je sais pas si tu m'entends. Parce que si moi tu m'entends, c'est que c'est toi le problème, c'est toi le bug. Mais si tu m'entends pas. Mais de toute façon, en plus tu parles pas donc. Je sais pas trop quoi penser. Et pourtant, regarde, je vais dans mes paramètres. Dites-moi si mes paramètres sont bons, parce que je sais pas, parce qu'apparemment il fallait mettre one. Donc j'ai mis one. Regardez, tout est bon, non? Mais je peux pas faire plus. La 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 la. Sais pas trop quoi penser. Ouais, puis on va faire ça, hein, parce que. On va pas être en train de prendre le temps là. Mais sur un channel. Attends, 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 non, mais ben non, c'est pas ça, mais ben non, c'est pas ça. Là, 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 non, toujours pas. C'est bien, c'est bon. Ouais. Non, on galère. Ben ouais. Mais Ouais, bon. je comprends pas. T'as bien des corocos quand t'as mis tes paramètres de jeu? Bah oui, bah la preuve, quand t'as vu quand je suis sur le jeu, t'as vu les paramètres, ils sont bons, ils sont. En Ils tout cas, sont. c'est bizarre. Moi aussi, en fait, hier, il y avait déjà eu un problème avec TS. Du coup, ils nous ont dit de nous mettre Vocal In-Game. Mais il n'y a Moi, pas j'ai que rien ça qu'il touché. y Je ait eu m'étais comme mis. problème, non? Il y a eu d'autres Ouais, je soucis sais, mais aussi, bon. mais bon. Ouais, je sais. Mais Mais là, c'est tu. bizarre. Hier, ils avaient dit que TS était bon. Mais là, tu m'entends ou tu m'entends pas là sur le jeu? Là, 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 là. Non, je t'entends pas. Tout à l'heure, je t'ai entendu, par contre, je t'ai entendu vite fait. Moi aussi, vite fait, mais c'est quand je quittais le jeu. C'est bizarre, hein. Ouais. Le T'as problème, bien c'est que. vérifié si c'était bien ton casque?
qui est bien mis, bien ton micro. Bah ouais, mais je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi, en fait. Bah si toi, on t'entend pas parler, c'est pas moi non plus, tu vois. C'est que... Vas-y, tu sais quoi, on va RP comme ça sur Discord. Bah on n'a pas trop le choix, à vrai dire, mais les autres, ils nous parlent. Non, non, t'es fou, si je fais ça, je vais me faire niquer, je suis sur ton live. Hein. Je vais me faire ban, moi, avec ces conneries. Ah ouais, mais on fait comment alors du coup? On fait comment ça le truc? C'est bien sympa Ouais, je sais, bah, je Mais sais le truc pas, c'est que si on n'entend on dirait personne que. et tout ça, on fait comment? On fait quoi? Le problème, c'est que TS, il est pas bien, mais je sais pas si Bah ça le vient de jeu non TS ou si ça plus. vient du serveur. Le problème c'est que là, on s'entend pas parler, on fait quoi? On joue pas, on fait quoi? Parce que... C'est bizarre, non? Normalement, le vocaling game, il devrait fonctionner. Mais là, je sais pas. Hein. Attends, je regarde. Tu m'entends là? Non, je t'entends pas, Miss Prout. Bah, pas voice activate. Je vois pas ce que je... Franchement, je vois pas là. Non, là, je. Non, je t'assure, là, je vois pas du tout comment je Ça, peux. c'est le truc là, speaker, je sais pas quoi, là, c'est bien ton casque. Ça, c'est mon casque Pourquoi pour tu peux pas entendre. changer? Ça, c'est mon Bah, casque pour entendre et ça, c'est pour me parler. Donc, tout est bon oui, là, ça, je je sais. pense. Bah, oui, normalement, oui. Bah, c'est bon, j'ai rien touché. Bah, c'est bon. Donc, c'est toi là, regarde, t'as vu, ça me demande pas de valider. Donc, tu vois, c'est. Oui, Et toi, t'as c'est bizarre. pareil. T'as fait pareil. Ouais, moi j'ai pareil, ouais, moi j'ai tout. Hier, on a déjà dû utiliser le vocaling game et j'ai rien touché. J'avais mis comme j'avais Et mis bah hier, ça là, on marche fait pas. comment? Alors, attends, bon, on va aller sur le Discord de là-bas, mais il y aura personne qui va nous prendre en. Un vocal, donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Non, c'est même pas ça qu'il faut là. Il faut que TSR fonctionne. Bah ouais, mais eux, s'ils sont pas au courant de ce qui se passe, je sais pas, moi, je. Mais je sais pas si c'est TS qui a crashé niveau serve ou si c'est TS qui a crashé tout court. Parce que là, on est sur TS. Là. Accompagne-moi, faut que j'aille remplir ma gourde. Là, pour l'instant, je vais te dire, on doit faire comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix en fait. Hein. Tu veux qu'on fasse comment hein? Je vois pas Ouais. comment on peut faire là. On dira, on expliquera que bah on sait pas. On va pas attendre que trop de lui. Non. Je sais pas. Enfin, de moi, tu sais. On trouve une solution comme une autre. Hein. J'espère que je vais pas me faire ban. Bah, tu utilises pas des infos HRP là. On joue en direct donc. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est pas comme si je racontais de ce que j'allais faire aux gens. Fait, je raconte rien du tout à part mes Bon, bah conneries. alors attends, attends. On en était où là? Non mais tu fais quoi là? Écoute-moi. Mais ça Hey, va je t'entends pas. une game! Je t'entends C'est une vrai? game! C'est vrai? Oui. Allez, Mais oui, dégage. vous Ah m'entendez? oui, Vous m'entendez? je Allez, salut à toutes et t'entends. Allez, ciao. On est vraiment des malades. Hein? Attendez. Là! Arrêtez! Mais non, je t'entends plus. T'es là? Mais non, je t'entends pas. Je t'entends pas, tête de con, arrête de me pointer. Mais je t'entends pas! Ça recommence, ça me fait, c'est de la merde, ton truc. Ça y est, ça m'a gonflé là. Mais je t'entends pas. J'ai pas compris là. Non, bah. T'es là? Oh! Eh oh! Non, mais là, je vais serrer par contre, hein. Mais c'est normal qu'il m'entendait, c'était sur le Discord. Il est quoi? Mais c'est sur le Discord qu'on s'entendait, imbécile! Vas-y, reviens. Vas-y, on reste comme ça, c'est bon. Moi, je vais pas chercher midi 14h, je vais pas attendre 30h que ça se remette. Hein. Voilà. Allez. Tiens bien d'accord. Vas-y. Voilà. Saleté, bah, j'ai même pas eu le temps de. Ah, si on allait se prendre. Baldo.
Ah, je vais prendre un bol d'eau. Je vais prendre un bon. Saloperie. Voilà, boire de l'eau. Oh, je vais aller boire de l'eau. Ah, si on pouvait Tu m'attrapes toujours par derrière, putain. J'ai le gosier très sèche. Meurs, ça parle pas, tu mens. Ce que je croyais. Je vais attraper des saloperies, moi, à boire ici. C'est n'importe quoi. Par contre, je comprends pas pourquoi je suis la quatrième personne. Ah, voilà. Monsieur Shane? Monsieur Shane? Avez-vous un problème? Monsieur Shane, réveillez-vous. Mais bon T'as une voix sang. à l'intérieur de ta bouche. Oui, d'accord, monsieur Shane. Monsieur Shane. Dites-moi. Vous allez vous relever là bientôt, là, au lieu de regarder le ciel et les oiseaux et les étoiles. Non, je suis pas bien. Ah merde. Bah, je vais vous attendre, hein, on doit aller travailler. Eh, vous Oui, savez que je vous dites-moi. parle ici. Vous me parlez où? Là, ici, maintenant. Ah bon? Et moi, je vous parle où? C'est bizarre. Moi, Parlez. je vous entends double voix, c'est trop bizarre. Mais ouais, c'est bizarre, attendez, je vais voir un truc pour voir. Et là, je vais tout casser encore. Regardez bien. Là, apparemment, il m'entend sur le jeu. Donc, techniquement, je fais ça. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Shane? Monsieur Shane? Monsieur Shane? Eh ben non, tu vois. Bon, non, tu m'en... C'est très bizarre. Là, je... Non. Je... Non. Ouais, c'est vraiment chaud. J'abandonne. Ouais, là, c'est... Je... C'est bizarre, dès qu'on est sur Discord, on s'entend in-game, c'est trop chaud. Ouais, mais j'ai coupé mon micro. Enfin, comment t'expliquer? J'ai coupé mon micro et puis tu m'entendais pas sur le jeu. Donc, au bout d'un moment, on va pas attendre 30 ans. Monsieur Shay. Aïe. Monsieur Shay. J'ai mal. Ah, ouais, bah, je vois bien. Hein. Bon. Je vais attendre patiemment que vous vous relevez de votre petite escapade nocturne dans vos rêves. Et Cette ensuite, petite salope. on ira travailler comme il se doit. Vous savez, notre Moi j'ai déjà amitié assez de pantalards, déborde ça reprend, j'ai pas beaucoup, besoin de beaucoup, travail. beaucoup. Pardon? Que Faut que j'aille j'entends? acheter mon cheval. Mais quel cheval encore? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce Qu'ai-je dit? que je... Ça Qu'avez-vous vous intéresse, un trotteur américain, si vous êtes gentil. Ben non, j'ai pas d'argent, voyons. Vous vous rappelez, je suis une petite fouine née dans la nature, escroc de mère en fils en... Ah ben non, il n'y a pas de fils, de père en fille. Et du coup, je dois devenir riche avec votre aide. Mais pour cela, il faut travailler. Oula, regardez pas sous mes yeux, voyons. Versez-moi. Non, merci. J'ai pas de culotte en Versez-moi un peu plus. d'eau sur le visage, s'il vous plaît. C'est D'accord. bien ce que je me dis. Je vais te noyer. Hop, J'ai dit un peu d'eau sur le voilà. visage. Non, un peu d'eau, un peu d'eau. Oui, je... Ah bah! Ah, j'ai Ah dit un bah! peu. Bah voilà, vous voyez, tout va bien. Mais combien d'armes vous avez? Mais qu'est-ce que vous Ah! J'ai trébuché. Non mais ça va pas! Regardez, vous avez fait tomber... Non mais ça y est, arrête! Voyons, Qu'est-ce que vous arrête. m'avez Mais ça va. Qu'est-ce que vous m'avez fait encore? Mais je vous ai fait, vous êtes tarés, voyons. Je suis pas bien et vous êtes la seule à côté de moi. J'ai rien fait. Oh merde, j'arrive plus à bouger. J'arrive plus à bouger. Tu m'as fait. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Arrête. Et là, c'est bon. Oui, là c'est bon. Non mais je peux pas courir. Je peux pas. Non, Hein? je bouge plus là, je suis bloquée. Ah? Bah non, regarde, ça Mais c'est... court. Mais what? Oh non, mes touches, ils ont changé. Comment ça? Non, mes touches, ils ont changé. Ah, t'as dû faire Alt Shift, refaire Alt Shift. Alt, quoi? Alt Shift. C'est tellement parfait, je pense qu'en fait, Ah, ça c'est... me... Arrête, arrête, je vais redevenir. Arrête, arrête, je peux. Arrête. Arrête, arrête, je suis vraiment pas bien. Mais toi,
Arrête de me tabasser. Voyons, ne tape pas les femmes. Allez. T'as raison, les armes, c'est mieux. Avec ça, c'est plus rapide. Vous allez donc pas me tuer, monsieur Chen. Je suis votre ami, vous vous rappelez? Mais arrêtez vos conneries, arrêtez de me viser. Vous êtes dans une propriété privée en plus, vous n'êtes pas, hein? Allez, venez, on va Je travailler. suis pas bien. Venez, il y a de l'aspirine dans. Arrêtez de parler avec votre double voix, bordel! Vous avez des problèmes au cerveau, hein, monsieur Chen. Venez, on va vous chercher de l'aspirine dans l'inventaire là-bas. Là. Sur ce mec, un coup. Je crois que j'ai une petite idée. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais te mute Discord, comme ça au moins je t'entendrai peut-être King Gamepad. Vraiment des problèmes, ce mec. Un vrai ramassis de conneries. Oh, je dis des conneries de toute façon. Je dis des conneries par-ci, je dis des conneries par-là, et puis en plus. Est-ce que ma voix est belle ou... Ah non, vous avez une voix dégueulasse, mais dégueulasse! Ah, mais pourquoi encore? Vous avez une voix, vous vous faites sauter. Ma voix n'est pas adaptée pour... Et en plus, je vous entends guère, hein, je vous entends guère. Ah, si, vous m'entendez bien. Alors, ici, apparemment, vous aurez de la vitrine dans cette porte. J'ai besoin de main douce, là, pour m'aider. Pardon? J'ai besoin de vos mains douces. Je n'ai point de main douce, vous savez. Vous voulez que je vous fasse quoi, très cher? Je sais pas, servez-vous de votre imagination. Vous voulez que je vous finis? Quoi? Vous voulez que je vous finisse? Non. Que je vous jette dans le puits, à côté là de moi? Que voulez-vous donc? Non, 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 soignez-moi. Je veux vous donner de l'aspirine, ça vous va? Attends. Ça fera l'affaire, de toute façon. De l'aspirine? C'est quoi ça, de l'aspirine? C'est un médicament exprès pour les blessures. Vous vous sentirez mieux, peut-être, non? Je suppose. Vous n'allez pas m'empoisonner, je connais pas ça, l'aspirine. C'est un médicament très cher, voyons. Oh, recevez-vous, bon. J'ai pas confiance dans cette mixture de sorcière. Ce n'est pas une mixture de sorcière, voyons. Que vous racontez? J'ai besoin d'aller me reposer auprès d'un feu. Buvez un peu d'aspirine et peut-être vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous voulez que je vous finisse? Non mais de ouf! Je me sens pas mieux. C'est vrai? Alors que vous voulez que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Buvez un peu d'eau! Buvez de l'eau, très cher! Faut que j'aille en chercher, j'ai pas d'eau. Ou... Mais ça va rien changer, de toute façon. Ou reposez-vous, faites... Et si on allait près d'un feu de camp? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai de la viande à cuire, en plus. Ah, bah voilà! Bah... Allons-y! Mais par contre... Oui. Ma voix est vraiment dégueulasse. Oui, on dirait qu'on vous saute sur la gorge. Est-ce que ça fait... Après. Ouais, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Ah, ça me saoule quand ça fait ça, mais ça me fait ça que comme ça. Bon, arrêtez de marcher bancal, s'il vous plaît. On va pas avancer jusqu'à là-bas en étant bancal. Hein. Est-ce que ma voix est supportable quand même ou... Bah, c'est un peu dégueulasse, mais bon, à ma foi. C'est chier. C'est pas commun, on va dire. Aïe. Ouais, bah, en même temps, vous m'avez fait mal donc. Allez, ouais, c'est sacrément dégueulasse, hein. Je vous fais pas dire. Hein. Pourquoi on marche vous aussi, ici? Vous êtes dégueulasse. Oh, voyons, arrêtez, sinon je vais vous frapper la gueule. Encore une fois, vous voulez une tatane dans la gueule, peut-être? Ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Oh, attention, hein, la plaque va tomber. Attention. Attendez, je sais. Je crois que j'ai oui, la solution. Attendez juste deux petites secondes. Il faut que je médite. Non, mais très cher. Vous avez juste à faire à allumer un feu de camp, vous allonger et ça ira. Vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de. Oh, il me fait vraiment de la peine avec sa tête de con. Voilà. Bah quoi, il y avait de l'aspirine, ça s'appelle comme ça. Moi, j'utilise l'aspirine. Ouh, j'ai reçu un cadeau.
Par télépathie. Qu'est-ce que j'ai eu? Mais on voit même pas ce qu'on a, on gagne. Très cher. Qu'est-ce que vous faites donc? Qu'est-ce que vous faites donc? Heureux. Vous m'entendez? Oh là, c'est parfait, hein? Ouais, mais c'est normal. Bon, laissez-moi. Bon, allons-y. Vraiment beau cabane, ce mec. Sa vie est vraiment folle. C'est folle dingue. Je devrais la tuer. Je te traverse, sa vie va te traverser. Sa famille va te traverser, sa carte va te traverser, tout va te traverser. Tête de sorcière. Une très tête de sorcière. Je regrette de l'avoir rencontré. Et juste après tout, à le jeter dans un puits. Non. Vous allez bien, Miss Poupou? Bah ouais, ça va et vous? Je me disais, j'ai été ravie de faire une petite balade en ce beau jour, en cette matinée florissante. Sinon, vous ne travaillez jamais. Pardon? Vous ne travaillez pas? Bah si, je vous comptais travailler que je avec vous. Oui, dormez si vous voulez. Faites donc, faites donc. Faites comme si j'étais pas là après tout. Dors, petit. Venir étrangler dans ce sommeil étouffé. Je vais mettre mon cul sur ta tête et il va s'étouffer. Oh non, pas un vieux cul. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Ah, bah oui. Non, j'arrive pas à... Ah, oui. Vous pouvez la fermer en dormant. Vous avez bien dormi, très cher? Je fais une petite sieste, ça fait du... Je n'arrive pas à faire chauffer. Pouvez-vous le faire à ma place? Faites un effort. Non, non, vous avez fait un effort, faut vous débrouiller. Hein. Pourtant, d'habitude, j'y arrive, mais là, pas du tout. Comme ça. Non, ça veut pas. Non, ça veut pas, j'ai beau appuyer, ça veut pas. Non, c'est pas dans mes besoins que j'ai besoin. Toujours pas? Bon, ça veut pas. Ah, ça y est, faire cuire de la viande. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, mais bon, ça va. Juste un peu le coup de main. Le coup de main. Très coup de pied. Que je te pousse dans le cul. Mériterait que je lui foute la gueule dans l'esprit. Mériterait que je le finisse dans son sommeil. Mériterait que je la punisse tout bon, court. Ça va, les noms d'oiseaux, quand même. Pardon? Ça va, je vous dérange pas trop. Ah non. Mais où allez-vous? Nulle part, je prends de la viande. Ah. Mais je vois. Nul. Vraiment embêtant ce mec, hein? Il est d'une tristesse. Petite tête. Mais ça va se le dire.
Ah, il y a un petit. Oui, ça arrête pas les whiz. Je crois que j'ai posé mon feu sur le chemin en fait. On s'en contrefiche. Je sais pas à quelle hauteur je dois être pour allumer le feu. Du coup, vous avez rapetissé depuis la dernière. Oh, ça va, rien. La soupe a fait effet. Oui, c'était de la sorcellerie. La magie noire. Vous savez qu'à notre que vous époque, une sorcière. Les sorcières sont brûlées sur le bûcher. Quelle tragédie. C'est pour ça que j'ai fait un joli feu. Ah, vous êtes vraiment pitoyable hein, quand vous nous y mettez, vous. Après tout ce que je fais pour vous, c'est comme ça qu'on est remercié. Eh ben. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous voulez dire. Pardon, vous avez fait quoi pour moi? Hormis de m'avoir acheté un cheval, hormis de m'avoir donné des carottes, hormis de m'avoir donné à manger, hormis de m'avoir donné à boire, hormis de m'avoir aidé à plus d'une fois, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Eh ben rien. Contrairement à moi, qui vous a beaucoup aidé, oui. La fois où vous étiez allongé sur les rails, c'est qui vous a porté sur son dos, son joli dos robuste? C'est qui m'a vu mis à terre? Moi. Et l'autre soir, quand vous êtes tombé malencontreusement sur la nuque et que le chéré. Et c'est qui m'a mis à terre encore? Ah, c'est encore moi. Bah, vous ne l'aviez même pas avoué, maintenant je le sais. Et l'autre jour, là-bas, à côté de l'eau, et que vous êtes noyé, c'est qui vous a sauvé? J'ai l'impression que c'est. Oui, c'est vrai, pour une fois. Bon, les 10 fois où vous êtes tombé à terre dans ma conscience, c'est qui vous a sauvé la vie? C'est moi! Bon, c'est vrai que les 10 fois, c'est moi qui vous ai mis à terre. C'est pour vous racheter, Bon, en réalité, on doit tous se dire si on veut vraiment que notre amitié évolue dans le plus grand des respects. Dites-le qu'au fond, vous avez peur que je vous abandonne. Pas du tout! Vous savez, j'ai pas peur de l'abandon. J'ai déjà été abandonné de toute façon. Mais qu'on se mette les choses au clair. Toutes les fois où vous êtes tombé bizarrement au sol et que vous êtes réveillé à côté d'un médecin, ben c'est moi. C'est vrai que c'était vous que je voyais en premier. Oui, c'est vrai, aussi. Mais vous devez voir le bon côté des choses. Peut-être que ces 10 fois-là. J'ai vu le bon côté des choses tout à l'heure. Vous êtes passé au-dessus de moi avec votre robe. Mais hormis ça, monsieur Shane. C'était pas si bon que ça. Bon, là, je crois que je vais le tuer. Non. Ok. Bon, vraiment, monsieur Shane. En réalité, toutes les fois où vous êtes tombé malencontreusement au sol parce que je vous ai tenté à votre vie, je vous ai quand même sauvé. Ça veut dire que je me suis rétractée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai failli vous tuer à plusieurs reprises, certes. C'est pas digne d'une amitié, ça, c'est. Mais je me rattrape bien dans cette amitié parce que je vous ai sauvé toutes ces fois-là la vie. J'aurais pu très bien vous laisser crever. Hein. Vous portez sur mon petit dos avec votre poids et votre grandeur, vous pensez que j'aurais survécu? Eh ben oui. Parce que je l'ai voulu. Donc, ne pensez guère que c'est je quoi, vous Miss apprécie Poul... pas. Je vous adore. Moi aussi, je vous adore. C'est une très belle amitié. Allez, faites-moi un câlin et on n'en parle plus. Non, faut pas abuser. Tête de con, faut pas non plus abuser. Hein. Miss Prout. Oui, monsieur Chef. Faites-vous pardonner. D'accord. Comment tu veux que je me fasse pardonner? Vous pouvez nettoyer mes chaussures, s'il vous plaît, elles sont sales. Ok. Mais bien, par contre. Bon, ça va, oui, hein. Je dérange pas trop. Voilà, comme ça, c'est bien. Et il y a la deuxième affaire aussi. Hop.
peu froid. Vous savez, monsieur Shay, pendant que je suis en train de cirer vos pommes, je Oui. souhaite vous faire une révélation. Dites-moi. Parce que des amis se font des révélations, on est d'accord. Évidemment. Alors je souhaiterais vous dire que si, admettons, à l'avenir proche, très très proche, vous tombez malencontreusement sur une pierre à la tête la première, que vous réveillez par pur hasard, ou peut-être pas le hasard, parce que c'est le hasard qui fait les choses. Donc, vous m'envoyez navré d'avance. Parce que ça sera moi, encore une Je vous fois, retourne le compliment. mais je vous sauverai tout dans la vie. Malgré que je tenterai de vous tuer à chaque fois. C'est pas de ma faute, hein, vous savez que mon père, on a beaucoup appris ce genre de choses. Comme je vous ai dit, quand on a joué au pendu avec des hommes qui ont tenté de dérober le bétail de maman, c'était vrai, hein. Je les ai vraiment pendus à un arbre. C'était joli. J'en ai même fait un dessin. Je me suis assise devant eux et je les ai dessinés. J'ai dessiné l'arbre, Vous la avez fait prairie un croquis? et les pendus. Ouais. En plus, avec papa, on jouait au jeu du pendu. Vous savez, quand on ne trouve pas le mot ou la lettre, eh ben on met une petite barre sur la feuille. Vous connaissez? Oui, je connais. Et bah sauf que là je mettais la tête la première de la personne sur l'or. On remplaçait le dessin Vous avec des corps. C'était très bien. C'était drôle, hein, papa, on s'amusait bien êtes avec vraiment une papa. sadique. Mais voyons, je ne vous permets pas de dire ce genre de choses. C'était un amusement entre papa et moi. Vous êtes jamais amusé avec votre père? Eh ben non, vous en avez pas. C'est vrai. C'est une connasse. Je dirais que c'est une connasse. J'ai juré que c'est une connasse, putain. J'ai jamais connu mon père. J'en reviens pas, putain. Elle est connasse, Et hein. c'est peut-être mieux comme ça, qui sait. Ah oui, parce qu'elle a la tête de con que tu as, je pense pas qu'il aurait fait le choix de te garder. Je pense qu'il t'aurait abandonné encore une deuxième fois de plus. Allez, hop. Vous savez, si vous vous réveillez près d'un feu un jour, avec Non. quelques jambes en moins, Non, dites-vous mais. que... Oh non, ça crache le jeu. Oh bah tu vois, même le jeu, il veut pas que tu me menaces. Tu me menaces pas, moi. Il veut pas que tu me menaces. Le jeu ne veut pas qu'on me menace. On menace pas ma personne. On menace pas ma personne. Tu vois, même le jeu, il veut pas que tu me menaces. Tu vois? Tu Comment menaces. il disait quoi dans le message? J'ai pas vu, il parlait du chat. J'ai pas eu le temps de voir. De quoi? J'ai pas compris. Quel T'as pas vu message? le message in-game là? Il y a eu un message pour te dire, j'ai Oh eu le non, temps de lire en effet le j'étais chat à et j'ai fond pas eu le temps de lire. dans. Non. J'étais à fond dans mon RP. Mais je regardais, il y a rien. Et là, en fait, le truc, c'est que je te parle sur Discord quand toi tu me parles. Donc, en gros, c'est comme si tu parlais toute seule en fait in-game. Je te réponds pas. Comment ça? J'arrive pas à savoir pourquoi mon micro, dès que je suis en vocal de jeu, mais Mais moi in-game, aussi, c'est hein, de la c'est pareil, merde. mais non, mais c'est parce qu'il y a un bug TS et il y a un bug serveur, à mon avis. Parce que si moi ça fait ça, toi ça fait ça, Parce que et sur bah, TS, tu mon vois. micro, il est parfait, tu vois, on m'entend nickel sur TS, mais par contre, quand je suis en vocal IG, c'est, je sais pas pourquoi ça grésille. Ah, tu parles de ça, non, parce que je sais pas. Je sais pas, là je pourrais pas te dire. Mais il y a que ici qu'en vocal IG, ça me fait grésiller, parce que sur d'autres Attends, je serveurs, vais j'ai déjà regarder. joué sans TS et ça marchait très bien. Mais là, on sait. Comment on va savoir que le TS il est revenu? C'est ça le truc. Bah moi je suis connecté dessus et j'attends de voir si ça me move. Ah, tu vas entendre le bruit du move. Non, j'entendrai pas mais je guette. Sinon ils vont mettre une annonce. Mais Ouais. déjà c'est bizarre qu'ils aient pas mis une annonce pour dire déjà qu'il était down donc. Bah ouais, c'est bizarre. Ah, attends, ça est en train de mettre Balou, il est en train de mettre un message. Ah, peut-être il a. Ouais, peut-être il va dire quelque chose. Il est en train de dire un truc. Salut, c'est Vanjo. Péter dans le pauvre. Quel le pauvre mérite que tu parles comme ça? Tu Je vais te tuer mérites. un jour, l'autre, tu le sais. Ça. Tu vas mourir, vieille meuf.
Mais non, tu peux pas tuer Quand ton tu seras riche, ami. je vais te tuer, je vais récupérer tous tes sous. Mais non, justement, si je suis riche et tout, faut que tu vives de ma richesse. Regarde-la, comment elle peut sauver sa vie. Bah ouais, qui t'en perd rien à rien. Balou, t'es gentil, t'es mignon, mais il faudra peut-être accélérer le mouvement pour nous envoyer ton message, très cher. Parce que si tu fais un reboot du serveur et que je suis en train de me connecter, ça va pas le faire. Et pourquoi il y a que toi qui as crash? Je sais pas. C'est comme des fois ça arrive Bah qu'on si, crache. moi je suis toujours en jeu, moi. Ouais, mais il y a Balou qui est en train d'écrire un message, l'admin du serveur, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il est en train d'écrire. Je te lirai le message. Attendez, hein, je me reconnecte. Hein. Ça va et toi, Sevendur? Bon, je comprends pas. Il était en train d'écrire et il a arrêté d'écrire. Donc, ah, maintenant il reprend la lecture. Joue RP Red Dem. Et moi, je vais bientôt me faire battre. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler vocal alors que je suis en jeu. Bah ouais, mais on peut pas faire autrement. On est à côté, on joue ensemble. On va leur expliquer. On joue très bien d'habitude. C'est juste que là, il y a des problèmes et qu'on joue ensemble et qu'on C'est n'arrive pas bon? à se parler. Ah, j'entends les voix de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. J'entends les gens sur le Comment? jeu, mais je suis pas sûre. Oh, il y a une clocharde qui vient d'apparaître au milieu de d'un chemin. Donnez-moi 1 dollar. Ouais, j'étais en train de te faire abattre, toi. Ah non. Mais je voyais te faire frapper. Ah non, non, non. Bon. Attends, Allez, désolé. montez, sale nez. Je permets. Allons-y, camarade. Ouh, il y a des petites latences là, quand même, les gars, sur le. Je viens de le voir. C'est assez moche. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas une petite latence. Je vais remplir ma go. Ah, je me dis pas, là, il est CP là. Ah non. Ah, oh, il y a des latences. Ah non, c'est bon, c'est bon. Une petite latence. Wesh! Ah. Mais qu'est-ce qui se passe, ouais? Putain, mais dès que t'es avec moi, il m'arrive que des. De ma gueule. Je prends un petit bain en même temps. La gueule, mais regarde, toi, t'es tellement petite que tu peux même pas faire ça. Non, mais par contre, je peux faire ça. Oh, t'es un tricheur. T'es un tricheur. Hey. Non, non, non. Peux faire ça, petite perroquette. J'étais qui t'as mis la boule de bowling, tu m'as fait tomber. Arrête.
Ok, ça suffit. Bon, et si on allait travailler, monsieur Shane? Qu'en pensez-vous? Où est mon chapeau? Allez, on va travailler, on va travailler. Voyons, ça suffit les conneries. Désolé. Aïe. Aïe. Excusez-moi, il a pas voulu s'arrêter le chat. Putain. Ah vive. Oh putain, t'as cassé la barrière. C'est pas grave. Ça lag pas trop les gars sur le live. Putain, t'es... Mais pourquoi ça lag d'un coup? Il y avait pas de lag et là il y a des lags. Mais je crois que c'est ta co, parce que même là quand mais tu non, parles ma tu grises. Mais non, ma co, elle est très bien, mais j'ai la fibre. Je sais pas, mais tu grésilles là quand tu parles. Non, mais c'est le serveur, il fait lag. Je te jure. Attends, je vais enlever ça. Peut-être qu'on aille prendre notre service, Miss Pro. J'ai enlevé ça. Attendez, hein, je vais. Ouais, ça lag. Là, ça lag plus, on est d'accord. Là, ça laguait plus parce que j'ai enlevé des trucs. On est d'accord. Normalement ça lag plus là. Ah si ça lag encore, attends. Attends 2 secondes. Attendez hein. Mais là c'est pas moi en fait, là c'est... Je sais pas pourquoi ça lag. Attendez. Tu seras là encore après ou pas? Oui, je pense pas. Moi je vais aller manger, je pense bientôt. Y est la dalle. Donc là normalement là c'est bon, ça lag ouais, plus là. Tu m'as dit je pense pas, elle était quand même assez jusqu'à je sais pas quelle heure. Ouais mais là je pourrais pas là. Ah là c'est bon, là ça lag plus. C'est où le truc de content? Faut que je travaille. Viens prendre ton service. Ben je suis en service. C'est marqué que t'es en service. Vous êtes en service, ouais. Putain, fait tellement de la surprise en tout. Allez, vas-y. Merci, merci. On est arrivé? Oh mais ouais, je crois que ça fait. Venez ici et venez récolter. Au lieu de vous foutre de moi. Arrêtez de rire. J'en ai marre de toi. Vous avez vu que vous voulez tomber comme une merde. Encore une fois de plus. Mais en fait, ça fait ça quand il y a quelqu'un derrière toi, je crois. On peut se montrer encore plus terrasse, toi, du coup. Tu fais quoi là? C'est normal que je bouge comme ça là pour récolter. C'est parce que je t'ai fait bouger. Ah ouais, sinon ça bouge pas. Et là je peux encore récolter ou pas? Attends, avant, attends. C'est pas comme si j'avais rien vu, sinon je vais devoir en buter encore.
Non, crash. Non, J'en crash. voyais plus. Je le crash. Non, là, c'est bon, c'est trop. J'arrête de jouer. Je te jure, hein. Je te jure, je... Non, mais reviens, reviens quand tout fonctionnera correctement. Non, mais là, c'est une blague. Tout De toute crash. façon, même moi, de toute façon, là, je vais dé. Ouais, bon, laisse tomber. On va arrêter le live parce que c'est un massacre. J'espère Est-ce que pourquoi c'est comme ça. t'as des BD? T'as des BD? Comment ça? Dead by Daylight. Ah non, je joue pas à ça. J'aime pas. Si. Non. Si. Non. Ça coûte pas cher, c'est bon. Non, c'est une mauvaise question de cher, c'est j'aime pas ce jeu de merde. J'ai joué tellement de fois en fait avant que ça m'a saoulé. Et t'as GTA, sinon? T'es con, putain. Tu vas t'inscrire Mais tu sais que. d'ailleurs au truc Mais là. je sais pas. Tu sais, il regarde si les gens avaient des avertissements sur Fanta et moi j'en avais un. Je sais pas s'ils vont me prendre. Pourquoi t'avais un avertissement? Mais c'est un truc tout con. En plus, c'était Raoul qui me l'a émis parce que. Une fois, j'étais parti pisser, tu vois, pendant que j'étais en grande farm, au bois là-bas. Et quand je suis allé pisser, je me suis dit, ça va, c'est bon, le temps de pisser, parce que normalement, t'as pas le droit de rester AFK pour farm. Et je me suis dit, c'est bon, le temps de pisser, ça passe. Et entre-temps, on m'a demandé de faire quelque chose. Du coup, bah, j'ai été faire la chose qu'on m'a demandé, et du coup, je suis resté AFK un peu plus longtemps que prévu, et il est Ah venu faire une merde. scène avec moi pendant ce temps-là, mais j'étais pas là. Ah ouais. Du coup, il m'a niqué. Quand je suis revenu sur mon PC, j'étais dans un vocal convoqué et tout, je te jure. Ouais, c'est pas. En fait, t'aurais dû dire que t'as envie de faire pipi, tout ça, tu te mets sur le côté, tu fais genre je suis à faire pipi, mais en fait, tu Oui, t'occupes c'est ça, mais c'est ça. d'interdit. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça que j'aurais dû. Ouais. Mais je le savais en plus, ça le pire, c'est que je le savais. Je me Bah suis dit, après, c'est ça bon. arrive, si tu t'es rendu compte de ton erreur, c'est bon. Après, tu leur expliques, hein, tu leur dis, écoutez, oui, j'ai fait une erreur, j'assume, mais ça se reproduira pas et tout. Sur le coup, j'ai pas pensé à trouver l'excuse d'aller aux toilettes ou tu vois, peu importe. Et du coup, ben voilà, je pense qu'ils vont accepter. Au bout d'un moment, tu sais, on est des Non, mais adultes, de toute façon, hein. je m'inquiète pas. Hein. De toute façon, je m'inquiète pas. Voilà, Je sais donc. que si je peux, je passerai de toute manière. Mais oui, je pense que tu vas passer. Y a pas de raison, quoi. Comme ça, Pardon, mais on va faire je sais pas la comment je vais faire. gendarmerie. Non, on va faire la school RP. Parce qu'il y a de la school. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais faire de la school RP. C'est vrai, en plus, t'as déjà la taille pour le faire. Là, ta gueule. Bref, les amis, je suis désolée pour ce live de merde. Clairement, je l'appelle Non, live mais de c'est vrai. merde. Non, mais je suis Parce d'accord. De toute façon, chaque fois que que. je regarde ces lives, c'est vraiment Hé! de la merde. Hey Non, non, là vraiment je c'était rigole. nul là. Franchement, ça m'a saoulé. J'ai fait que de bugs et tout. Ça a que bugué. C'était nul. Je pensais pas que ça allait être comme ça aujourd'hui. Mais la dernière fois, on a bien rigolé quand même. Ouais, c'était Dernière fois, drôle. t'étais là. On va te Tu m'as bien mêler, mis dans la monsieur merde avec tes Shane. histoires Comment ça? là. Avec tes histoires que tu racontais là. Suki. Ah! En vrai, j'avais trop envie de dire à un moment donné, mais non, mais c'est faux tout ce qu'elle dit. Mais je me suis dit, je vais jouer le jeu, sinon je vais niquer genre ta scène à toi où t'es en train de dire de la merde. Je me suis dit, non, c'est bon, je vais jouer le jeu. Mais Bah t'as me ça foutre vous a dans la merde, parce que le rapproché jour où un elle va me petit dire, ouais, peu. c'est vrai. Non, justement ça vous rapproche. Ouais, mais si un jour elle me dit, ouais, si t'as déjà fait ça, vas-y, fais-le, et que je peux pas le faire, je fais quoi? J'ai l'air d'un con. Ah, c'est très bien, tu sais, son personnage il est intelligent, hein. C'est pas une gogole hein, non plus. Hein. Elle sait très bien que quand je t'ai dit, quand je lui ai dit, ouais. Qu'un ours était devant moi et que tu l'as défoncé à coups de poing, ça se voit que c'est surréaliste en fait. Donc elle a capté que ce que je racontais c'était de la Ah bon? merde, tu vois. Bah J'en suis oui. pas capable. Bah non, t'es une merde, toi. De quoi? T'es une merde, toi. Non, mais au bout d'un moment, sérieusement, un vrai de vrai, ça se voit que c'est faux ce que je racontais. Mais c'était mignon dans le sens que bah, je t'ai Comme ce que avantagé. tu viens de dire, oui. Bah... Hein? Je dis oui, exactement comme ce que tu viens de dire juste avant, c'est faux. Ouais, mais c'est vrai, en vrai de vrai, t'es une merde. C'est toi qui es une Non, merde. mais en vrai de vrai. Non, mais en Moi vrai, aussi, je tu peux te le sais, dire la avec scène. l'accent.
En fait, la scène en soi, dans sa tête, je pense qu'elle a capté que c'était faux. Enfin, elle a capté que c'était faux, mais à mon avis, c'était une scène C'est pas de la c'est mignonne. du côté. C'était une scène mignonne parce que, en gros, je t'ai avantagé, je faisais en sorte de te mettre en avant. Elle a compris que j'essayais de vous caser tous les deux, tu vois. Toutes les fois où j'ai parlé et tout, ça Je se pense voyait qu'elle a que, compris. voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, techniquement, elle sait très bien que t'es pas un surhomme et que tu peux pas non plus niquer un grizzly avec une patate, tu vois. Elle le sait, mais Je elle n'ai sait plus que qui bouge, t'inquiète. dans cette phrase-là, je faisais passer le message qu'en gros, si t'as un problème, il est là, tu vois. Et ça, elle l'a compris, tu vois. J'avoue, j'avoue. Donc là, j'étais vraiment ouvert les portes pour que. Et en plus, après, t'as vu, à la suite de ça, elle a commencé à faire des crises de jalousie, tu vois. Donc elle est rentrée dans J'avoue. le truc, tu vois. Parce qu'au départ, avant que je fasse ça, que je commence à faire des trucs comme ça, bah, il n'y avait rien. Tu sais, vous vous parlez, c'est tout, tu vois. Mais tu as vu, quand j'ai commencé à faire ça, c'est là qu'elle a commencé à faire des scènes de jalousie et tout ça, tu vois. Donc, techniquement, ça vous a ouvert les portes et du coup, ça peut. Ça vous a ouvert les portes du RP futur couple. Mais c'est bien que vous ne vous mettez pas Encore. de suite en couple parce qu'au moins ça permet de faire des scènes assez drôles et tout ça. Ça permet aussi de vous créer des scènes romantiques, tu vois. Vous cherchez, tu vois, tu développes un peu la relation, etc., etc., petit à petit, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. Vous faites pas ça à la va-vite. Non, j'aime pas quand ça va trop vite. C'est mieux quand ça dure plus longtemps. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Le RP, il est mieux, tu vois, parce que après, si vous mettez en Ah, vous couple m'avez compris, hein. rapidement, c'est nul. Après, t'as plus rien à faire, quoi, en fait, en couple et basta, quoi. C'est ça. Ça va, Brandon? Mais bon, voilà, quoi. On verra bien avec le temps. En tout cas, Lana, elle adore Misuki, tu vois. Et elle aime bien la faire chier, c'est surtout ça, tu vois. Moi aussi, j'aime bien te faire chier. Ouais, ça, je l'ai remarqué. Mais c'est pas facile de garder son sérieux avec toi aussi. Pourquoi? Parce que tout le temps envie de te frapper, du coup. Non, j'avoue, Attends, là. la première fois que t'as découvert le combat, tu pouvais plus t'arrêter. Ouais, de ouf, mais oh, j'ai appuyé sur n'importe. En fait, j'ai appuyé sur la touche, je pensais pas que ça allait faire ça. La première fois qu'on s'est Tu sais, parlé, t'as vu, je t'ai fait mais tes descendre de gardes. ton cheval. Tu sais, mais tes gardes au moins. T'as vu, j'ai réussi l'autre soir, là, j'avais réussi, mais je sais plus comment on fait. J'ai appuyé sur une touche, ça m'a mis mes gardes, mais j'arrive Je vais plus. pas, je vais pas te leur dire, je préfère te péter la gueule, c'est mieux. Allez, dis. Ça a cherpé ça. Imbécile. En tout cas, ouais, j'aime bien le petit Mais tu duo veux que je te aussi. dise, pour le combat, je t'en sortirais beaucoup mieux si Quoi? tu joues à la manette, je te dis. Je sais pas, j'ai envie de m'adapter au clavier souris, tu sais, j'ai toujours joué avec clavier souris, donc Ouais, mais je peux t'assurer que pour Red Dead, c'est beaucoup mieux à la manette. Hein. Surtout pour les chevaux. Puis ça t'évitera de l'épuiser tout le temps au bout de 5 mètres. ouais, je vais voir Le ça, problème je suis de d'accord. clavier avec un cheval, t'es obligé de rester appuyé sur Shift. Et si tu fais pas attention, après ton cheval il est baisé. Ouais, bah je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Au moins pour les déplacements à cheval et pour le combat, je joue à la manette. Bah, si je joue à la manette, c'est Peut-être que jouer à la t'auras une manette, chance de hein, gagner contre moi. pas. Mais Oui, juste. lol. Écoutez-le, Non, lui. mais tu sais que les deux fois où je t'ai étranglé là. Et Ouais. j'aurais pu te le faire déjà 20 fois depuis qu'on s'est rencontré en RP, c'est juste que je le faisais pas, c'est tout. T'as répété quoi? J'aurais déjà pu te tuer 20 fois déjà depuis que je te connais, ce Red Dead. T'as dépassé les bornes là ces derniers temps. Fallait bien que je te calme d'une manière ou d'une autre. C'est ça, cause toujours, tu m'impressionnes. Heureux de l'apprendre alors. Non mais en ça, c'est sympa ce petit truc là. Cette relation en fait. Il n'y a pas de souci, Brandon. Ouais. On dirait un frère et sœur.
Ouais, c'est ça. On dit... Ouais, c'est vrai, en fait. On dirait vraiment des frères et sœurs. C'est chien et chat, mais ils s'adorent, tu vois. Genre, ils s'adorent, mais ils sont capables de se buter. Mais après, ce qui est drôle dans cette relation, c'est qu'en fait, ça va à l'extrême. Tu vois, c'est des cassages de nuque et tout ça, tu vois. Il n'y a pas de genre, on s'embrouille et c'est tout. Nous, on va se tabasser fort, 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 au point limite, bah voilà, de se tuer, quoi. Eh, tu sais ce qu'on pourrait faire en Et vrai? c'est On ça pourrait qui est tellement drôle, en vrai. modifier le RP. Comment On pourrait ça? tellement modifier le RP parce que moi j'ai pas connu mes parents. Mais qu'est-ce qui te dit que quand le jour ils m'ont abandonné, ils ont pas eu une petite fille ou un truc comme ça? Et que je savais pas Là, que tu mon fais de père la était charpée, devenu là. Là, tu un. Non mais je sais, mais je t'explique. Oui, bah ça, on aurait dû se prévoir ça déjà depuis avant qu'on commence le RP. Mais en soi, c'est un peu pareil. J'avoue, C'est, j'avoue. on est comme des frères et sœurs, quoi, en vrai. On va parler C'est vrai. notre relation, c'est frères et sœurs, quoi. C'est je t'aime non plus, mais je te tue, mais je t'aime quand même, tu vois, c'est ça. Je t'aime mon frère, mais je vais te tordre la nuque. Et vice-versa, quoi. Mais c'est ça qui est drôle, en fait, c'est cette relation-là, frère et sœur, mais qui va à l'extrême, quoi. On n'a pas un juste milieu et c'est ça qui fait la relation en fait. C'est qu'on va jusqu'au bout de nos actions et c'est ça qui est drôle. Et puis Lana, c'est une petite conne un petit peu, tu vois, parce qu'elle est mauvaise, elle va t'attaquer sur des points sensibles. Elle n'a pas de scrupule de faire ça, tu vois. Quand t'as parlé, t'as vu, elle t'a dit quoi tout à l'heure? Elle t'a dit, ouais, ton père qui t'a pas reconnu et tout ça, je suis sûre qu'il voit ta tête de con aujourd'hui, il va se barrer encore une deuxième fois, tu vois, ça c'est des choses méchantes, mais c'est Lana, quoi, c'est son caractère, quoi, c'est une petite peste en fait. Elle est gentille et tout, elle est très sensible, mais faut vraiment trouver sa sensibilité en fait. Pour l'instant, tu l'as pas Oh bah je encore l'ai déjà trouvé. trouvé, mais pas vraiment. Une liasse de 500 $, c'est bon. Je te parle pas de ce point sensible là, là c'est son côté michetonnerie, Hein. imbécile. Non, elle a son côté doux aussi, affectif et tout, mais qu'il faut savoir apprivoiser en fait. C'est ça va être avec le temps ça que tu arriveras à l'apprivoiser sur ce côté-là, tu vois. Là, elle est plutôt sauvageonne, elle est plutôt explosive, elle Est-ce a qu'un jour elle pas de sera prête à mourir filtre. pour moi? On verra. Donc déjà, ça sera l'inverse, imbécile, il est con, lui. Ouais, elle veut devenir riche, tu vas pas lui niquer ses plans. Mais ça va être trop bien, le Ah jour où on va mais moi je vais réussir à avoir des trouver enfants et ça, tout. ça va être trop trop bien en vrai. Le jour où on va réussir à devenir riche. J'avoue. Mais voilà, on va continuer cette aventure-là. Et puis, Suki qui sera venue dans le truc et tout ça, et qui va faire un RP couple avec toi, ça va être assez drôle, tu vois. Parce que ça va être chien et chat aussi, tu vois, ça va être drôle. Ouais, t'as défoncé la gueule aussi l'autre jour. Vous m'avez défoncé la gueule à deux. Sinon, je l'aurais défoncé parce que j'étais bien partie pour la défoncer. Mais tu m'as empêché. Vous m'avez empêché. L'autre, il m'a attrapé avec le lasso et toi, tu m'as fini au sol. C'est vrai Vous étiez trois sur moi quand même. que on est une vraie équipe. Mais c'est moi qui étais obligé de faire ça le boulot. Ouais. Mais après, c'est mieux. Tu vois, que ça soit toi. Vu la relation qu'ils ont, tu vois, ça serait malvenu si c'est quelqu'un d'autre qui calme Lana, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et vice-versa, tu vois. Et puis ça serait pas cohérent qu'un inconnu, il vienne comme ça, tu vois. Ça fait combien de temps qu'on se connaît en RP maintenant? Alors là, tu parles dans Je ce sais plus combien. serveur-là ou dans l'autre? Oui, dans celui-là. Bah non, dans l'autre, on s'est vu une fois. Non, pas une fois, on s'est vu Quand à j'étais quelques Baïka. fois. On s'est vu 2 fois quand j'étais Baïka. Trois fois. Ah oui, c'était quand la troisième fois? Le jour de ma mort. Ah ouais? Bah ouais. Je te rappelle pas, je t'avais fait Je me des souviens gâteaux pas. à la maison et tout ça. Ah non, c'était pas moi. Mais si, c'était toi, je me rappelle. Je t'appelais le vice-chef. Oui, chef, je te disais ça, te rappelles pas? J'ai pas souvenir, Si, mais tu peut-être. m'as vu J'ai pas souvenir. le matin. En fait, c'est pas le matin, c'était le matin que tu m'avais vu. Enfin, le matin, t'as capté. Et le soir de ma mort, tu devais passer pour manger des gâteaux, des cupcakes. C'était Ah drôle. ouais, bah du coup, je peux Mais t'as pas passer. pu passer parce qu'en fait, t'étais occupé après. Et puis moi, après, j'étais occupée dans tous les cas. Et heureusement, t'es pas passé parce que t'aurais pris perte.
Mais non, c'est pas possible. Notamment, j'avais déjà mon nouveau perso. Mais non, je suis mort avant vous, Suki, et toi. C'était une autre fois alors, c'était une autre fois avant. Mais non, je te dis, c'était le jour de la mort de Kaylee, en fait. Parce que Suki, elle est morte quelques jours après Kaylee, et toi, je sais pas si t'es mort ou pas, RP, mais. En tout cas, t'es pas mort quand j'étais morte. Hein. Non. Enfin, quand j'étais en vie, t'étais pas mort. T'es mort. Vous êtes mort après, quelques jours, 2, 3 jours après la mort de Kaylee. Ouais, qu'elle est morte. Bon, on va s'arrêter là. T'inquiète, MGSN. S'arrêter là. C'est dans mes projets, ça. Ça fera une folle en moins déjà. Lol. Bon, alors là, avec Lana, vous Tu n'êtes fais pas quoi dans la d'exclus comme merde, hein, personne? parce que niveau folle, Lana, elle est tout là-haut, hein. Comme qu'elle t'a Ah, sorti quand même elle a qu'elle a déjà joué au jeu trop. du Panju qui est censé être un dessin normal basique pour les enfants à un jeu du Panju version réalité quoi. Elle t'a sorti ça normal, le mec il a gobé ça normal, c'est en mode c'est tout, tous les jours on fait ça, tu sais, on joue au C'est Panju avec normal, des corps humains, tu sais. c'est normal, il est plus surpris. Ouais, au bout d'un moment, à force, tu dois connaître le personnage quoi. Puis même, de toute façon, là, j'étais perturbé pour jouer, il n'y avait pas le vocal et Ouais, tout, c'était c'était bizarre. chiant ça par contre, ouais. C'est pas pareil. J'espère dans les prochains jours, ça sera beaucoup mieux. Moi, je pense que d'ici soir, DVR, il sera rentré du travail, il va regarder ça. Mais je sais même pas si ça vient du... Au niveau du serve ou si c'est TS tout court qui merde. Ça doit être un peu des deux. Hein. Je sais pas, là, ça faisait 2 jours que j'avais plus aucun crash sur le serveur. Ouais, je sais pas, on verra bien. Bon les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis sur Discord si je peux faire un live. Enfin, Et quand je dormez vais tôt, faire un demain il y live. a école. Voilà, c'est vrai. On est lundi. Je suis décalée à force de travailler tous les jours là. Décalée. C'est vrai qu'on Ah est bah, c'est ça. dimanche. Bon, C'est bonne quoi? nuit, C'est quel genre bisous. de resto dans quoi tu travailles?